Salut, allez, nouveau contenu cette semaine pour notre formation Reason, les clés de la composition. Et ça va être dans le chapitre des nouveautés, car ça y est, Reason 13 sort aujourd'hui même. Donc vous allez voir qu'il y a plein de nouveautés, et j'ai voulu traiter cette première nouveauté qui est le polytone, qui est un nouvel instrument virtuel, hein, vous allez voir qui est vraiment très sympa, qui utilise la synthèse soustractive, bien sûr, mais aussi un peu de FM, et surtout c'est un synthèse qu'on appelle à deux layers, c'est-à-dire à deux couches. Donc vous allez voir qu'on a deux couches semblables au niveau des réglages, mais où on va pouvoir faire des variations ou même des réglages complètement différents et mixer, associer, splitter ces deux layers, ces deux couches. Donc c'est vraiment très intéressant. Comment dire, le sound design est vachement intéressant à faire sur ce nouveau synthé. Donc sûrement que dans le chapitre sound design, je reprendrai ce synthé pour faire des sons très intéressants. Donc là, je vais t'expliquer toutes les fonctions de ce polytone durant 30 minutes. Allez, je te donne rendez-vous. À tout de suite. Bye. Une des nouveautés de Reason 13 est l'ajout de Polytone, un nouveau synthétiseur à double layer, c'est-à-dire double couche, inspiré des sons de matériel vintage, mais doté d'une multitude de capacités de programmation modernes. Polytone a été conçu pour recréer les sons analogiques chaleureux que vous connaissez et aimez. Mais Reason a peaufiner la formule pour plus de possibilités. Mieux encore, Polytone possède deux couches de layers qui peuvent être empilées ou transformées pour des sons super gras ou évolutifs. Polytone est plus qu'une simple réplique du passé, c'est un hommage affectueux. Commençons par écouter quelques presets, pré-réglages.
Thank you.